Yo, c'est Calame et voyons, alors j'ai quelques réglages à faire apparemment. Parce qu'apparemment la connexion ne veut pas. Elle veut pas beaucoup. Le truc, c'est qu'il n'y a absolument rien sur internet, donc c'est juste que ça veut pas. Bon, c'est pas grave, hein, il y aura la rediff. D'ailleurs, ça me fait penser que les deux redis précédentes n'ont pas encore été publiées. Il faudra que je les mette en ligne dans la semaine. On fait les derniers réglages, puis on va lancer. Ok. Voyons, et si je fais ça. Ah, ta. Ça devrait le faire. Bon, la connexion part complètement en couille, mais là, j'y peux strictement rien. Vraiment, c'est en dehors de mon contrôle. Là, j'ai littéralement rien d'autre. Et même Steam, on va le virer. Je ne peux rien faire d'autre. On va voir ce que ça donne. Alors. Il nous fallait aller vers Caucho, si ma mémoire est bonne. Ouh, Ragnarok, ben voilà, là on commence à parler. Là on commence à avoir des vraies attaques. Alors, j'ai juste regardé un truc vite fait. Gestionnaire de tâches, réseau. Sinon, il n'y a rien qui font pour particulier la connexion. Je ne sais pas ce qui fait que la connexion est basse. Il y a un truc qui fait que la connexion est pas terrible ce soir. La rediffusion sera propre. C'est le plus important. Nous avons l'initiative, ça tombe bien. Urlagnarok. Résiste à la terre, tiens non. J'aurais pas cru. Ils sont sensibles à quoi? Ils sont sensibles à l'air? Ouais, ils sont sensibles à l'air.
Nord à Scout Show, Sud-Ouest à Yutai, Nord-Ouest passage. Alors, on pourrait se diriger vers Yutai, mais ce serait seulement pour réaliser que la zone est bloquée. On va le faire juste pour les dialogues qu'on va avoir. Parce que je streamais pendant un peu plus d'une heure aujourd'hui. Sage. Genre un col du monde sur le stream, voilà. Je n'ai aucune honte. Et surtout pour faire de l'animation, parce qu'après sur la VOD, vous allez vous faire chier. Alors ça, du coup, ça sert à rien. Toi, tu vas avancer ceci, toi, tu vas avancer cela, et toi, tu vas avancer ceci. Après, je pourrais réduire le niveau d'encodage peut-être pour que le stream soit un peu plus propre. Et coucou Chine. Un goblorque, attention. Sensible à l'air dans le camp. Ça, c'est sensible à l'air. Il va s'échapper, on prend des dégâts. C'est une feinte. Merde. Ouh. Ouais, je me tire en fait. Ah. Par là, il doit y avoir un djinn qui traîne. Eh, hey, laissez-moi m'enfuir. Laissez-moi fuir au tour 1, merde. Aïe. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a un djinn dans les environs? Non, il y a encore ces deux-là. Un peu plus haut, peut-être. On a pas de djinn. Vous êtes là. Là, c'est typiquement le genre d'endroit où tu mets un djinn. Attends, j'ai pas le souvenir d'en avoir un ici, mais bon, on essaye. Non, juste des harpies et tout. Bon, moi, cela, on les défonce. Le jeu, c'était quand même autre chose que le remake de FF3. Hein.
Le mec de FF3, il avait une intro qui était très jolie en images de synthèse et tout le bordel, mais putain, la mise en scène des combats, c'était pas ça. Bonjour. On a une invasion sur les bras ici. Je ne peux pas vous laisser passer, au moins que vous avez quelque chose à voir avec. Si vous voulez vous engager dans notre armée, c'est à autre chose. Tu vas aller. Mais Colin de ses frousses. Ça n'a rien à faire à Utah et fiche le camp. Mais on peut quand même les contourner, il me semble. C'est bon, ils montent la garde, mais si vous êtes venus pour vous battre, vous allez être déçus. Les Utah se sont littéralement volatilisés. Du coup, ben, on attend. Alors, il n'y a pas moyen de contourner, genre du tout. Non, pas encore. Ouais, non, on peut encore rien faire. Faut vraiment qu'on aille à Yutai avant. Enfin, faut qu'on aille à Kaocho pour avoir l'autorisation. Vous êtes à Yutai? Non. Ça étonne pas, quand l'armée a débarqué ici, il n'y avait personne à Yutai. Comme s'ils avaient disparu par magie. J'espère qu'on va bientôt recevoir d'autres ordres et avoir quelque chose à foutre. Le soldat qui est pas content de n'avoir rien à faire, ah, putain. Le mec, il aime son métier. Direction la glorieuse capitale de Kaocho. Sur le coin de la tête. Restauration, ça va être bien ça. Alors donc, la glorieuse capitale. Déjà, il y a des choses à récupérer dans le coin. Alors ça, là, ça traîne. Une robe chinoise. Une robe chinienne. Réduit l'attaque de l'ennemi si utilisé. Bon, on va se mettre d'accord, c'est pas super utile, surtout que ça a une chance de la casser, il me semble. Bonjour. Une âme noble fait un bon mari. C'est le secret de tout foyer harmonieux. Vous savez dire que la femme, ça peut être la pire des raclures du monde, ça ira quand même. J'ai vu mon papa s'entraîner à manier une arme, et qu'il ferait jamais de mal à une mouche. Il est vraiment pas fait pour ça. J'ai pas vu mon papa depuis un bout de temps. Il est fermier et s'est fait enrouler de force pour aller envahir à Yutai. Il peut à peine manier une épée, mais il sait faire des choses incroyables avec une charrue. C'est un talent comme un autre. Là, on baille un jean, mais lui, oh là là. T'as vu que les poissons sont jolis, je m'en pose un peu, je suis vraiment épuisé. On peut pas aller chercher le djinn parce que ce gros tas de merde nous en empêche. Et là, il y a un autre djinn. Oh là là. Oh non, c'est pas eux qu'on vend. Il y a un mec qui vend des trucs. Voilà, c'est ici. Restaurant fermé. Ah, fait chier. Meuble d'excellente facture. Tant mieux. Ah, on a récupéré de la menthe. Plus de vitesse, on l'utilisera plus tard. Alors, on va voir. Pour accéder à ce djinn, il faut... Non, on peut pas. On peut pas y accéder encore à celui-là non plus. Alors, comment on y a accès à celui-ci? C'est par une autre entrée. Ah oui, c'est par en haut, c'est depuis le palais. Allons voir un peu ce qu'ils ont à vendre comme armes. Bonjour. Bon, armes et armures. Baguette magique. Et le Hank béni, voilà. Comme ta mère. La charge berserk, ouais. Vas-y.
lève les moins bons, le coutelas, la masse lourde, l'arc long, l'armure de cuir, la robe, le bouclier d'airain. Voilà. Ah, j'ai plus de place, fait chier. Gants de cuir et des casques, un chapeau en bois. Bon, pour un défense en plus, en vrai, on s'en cogne. Gants de cuir en bois, ça va aller. Les magasins de China sont censés être mieux fournis qu'ici, et on n'en a pas beaucoup. On a quand même pas mal de choses à coacho, je trouve. Ah, attends, China, j'ai pas lu. Cette région située à l'est d'Eiji jouissait autrefois d'une puissance militaire inégalée. Je devrais pas streamer le soir. Ah, on va voir comment qu'on fait. Oh là là. Ça va nous faire un jean de plus. Ça vous permet même de quitter la ville. Acier. Vol de vie normalement. Ouais, ça. Cet esprit vampirique provient de Kaosho. Ses lèvres charnues lui permettent d'absorber la vitalité d'un ennemi. D'ici on ne peut encore rien faire peut-être. Non, on peut se balader un peu ici. Par ici, on revient en ville juste. De là, non, on peut pas sauter là. Et là, comment on va là alors déjà? On peut faire le tour par là, je suis juste trop con. On va aller dans la grotte. Un boulet être. Ah, mais zut, on ne peut rien faire, car il y a de l'eau. Là, si je fais comme ça, non? Je peux pas sauter, c'est dommage. Et là, les deux se rejoignent pas. Enfin, les deux se rejoignent pas. Le magasin, il ouvre après un certain événement dans l'histoire, il me semble. Halt! Et voilà! Vous êtes des mystiques? Je suis un seigneur Sith. Mais c'est pas ton père le seigneur Sith? Chut, ta gueule. Ça vaut pas que vous étiez mystique que nous attendions aujourd'hui. Entrez, je vous prie. Le roi Wu vous attend, lui.
Tu vois, ça marchait. Oh, d'accord. Bon, on va se balader un peu dans le château avant parce qu'on est un peu des crevards. Genre les bouquins c'est bien. Expansion militaire de Kaosho 1. Face à notre puissance militaire, nous pensions que le passage tomberait rapidement. Il n'en fut rien. Loin de s'évacuer, les passageois ont lancé une contre-attaque. Nous n'y avons pas résisté, honte sur nous. Expansion militaire de Kaosho 2. Les terres voisines du château d'Ayutai sont tombées aux mains de Kaosho promptement. Presque trop promptement. Toutefois, les généraux du roi Hu ne sont pas parvenus à investir le château. Il y a plus à Ayutai qu'il n'y paraît. Les mystiques et l'ancien temps. Les mystiques contemporains semblent être la clé de la compréhension des ruines anciennes. Ils sont en effet descendants des Djennets. Ce peuple est éteint à l'origine d'une civilisation avant. Alors, à l'origine d'une civilisation aujourd'hui tombée en ruine. Avec le retour de l'alchimie dans le monde, Wayard court le risque de tomber de nouveau sur la coupe des mystiques. Donc ça, c'est ce dont tout le monde a peur, en fait. Tout le monde a peur qu'en fait on essaie de prendre le contrôle du monde. Et forcément, à un moment, ça va bien arriver. Hein. Et là, l'accès au château d'Ouroboros. Enfin, au château, au labyrinthe d'Ouroboros. C'est un meuble d'excellente facture. J'espère que le roi Wu finira par trouver des mystiques qui aideront Kaosho à remporter cette guerre. Je vois que vous êtes tous des mystiques. Voici un petit dicton en guise de bienvenue. Patience est clé de toute conquête. Une fois que le sud des Jus sera à nous, nous lui donnerons un joli nom chinois. China du Sud, par exemple. C'est simple. C'est un meuble d'excellente facture. Okay. Des lits, des pots. Il n'y a rien dans les pots. La China du Sud. Je suis venu à Kaosho après avoir entendu parler des trésors cachés que le labyrinthe cachait sous son palais. Blablabla, je dis bien que le qu'il y avait dans le labyrinthe caché sous le palais. Mais j'ai appris que personne n'en avait jamais ramené un seul. C'est pas que les gens reviennent bredouille du robot, c'est qu'ils n'en reviennent pas du tout. Ouh là là, j'ai peur. Sauf que contrairement à moi, eux n'avaient pas de sabre laser. Mais où sont ces mystiques? Pierre, d'une beauté ensorcelante, cette femme mystérieuse conseille le roi Wu et sur de nombreux sujets. Pierre, vous m'aviez dit qu'ils approchaient de Kaosho. En effet, sire, il ne devrait plus trop tarder. Sa Majesté n'attend jamais qui que ce soit, Kier. Quelle impertinence. Kanchoku a raison, ces mystiques ont tout intérêt à ne pas me décevoir. Ministre de Kaosho qui supervise les opérations militaires, frustré par les échecs répétés de ses troupes, il traîne le mécontentement grandissant de son souverain. Je crois qu'il parle de nous. Ce type couronné est carrément flippant. Et que veut-il exactement? Si je puis me permettre, votre majesté, si ces mystiques sont capables de survivre dans les ruines d'Ouroboros, votre attente n'aura pas été vaine. C'est ce qu'a promis Kier, Maïsa. Ou Maïsa, on va dire Maïsa. L'assistante de Kanchoku, le ministre d'Ouroboros, sa perspicacité et ses conseils avisés lui ont valu d'obtenir une place permanente à la cour. Mais je ne vois toujours pas pourquoi nous faisons confiance à cette étrangère. Lorsque vous ne voyez pas plus loin que le bout de votre nez, mon cher Kanchoku. Comment osez-vous? Gardez votre sang-froid, nous avons des invités. Ah, mes mystiques sont enfin arrivés. Quoi? Vous appelez votre propre garde maintenant? Vous êtes trop loin, Kier. Votre garde personnelle est plutôt inhabituelle. Il me semble aux soldats qui nous ont attaqué dans les ruines de Kumpa. On dirait des hommes de pique. Ouais, toi, tu t'approches pas. Hein. Et toi non plus. Et votre jumeau non plus. Bien joué, soldat. Maintenant, disparaissez. Allez, c'est grillé, hein. On sait que vous êtes en haut.
Pierre, ayez l'obligeance de m'expliquer qui sont nos jeunes visiteurs. Sire, ouais, si vous bien me laissez cet honneur, ce sont des mystiques. Votre talent pour les évidences est indéniable, Kenshuku, mais ces mystiques sont bien plus que cela. Ils sont pour le moins exceptionnels. À qui alors, c'est ça, avec un nom pareil, tu dois être ami avec ce crétin de Pic. Oh, vous connaissez Pic, vous êtes donc bien mes mystiques. Ouais, comme a dit Adam, on est exceptionnel. Terry, ta gueule. Alors, tu t'appelles Terry, c'est ça? Exact, et lui, c'est quand même. C'est notre chef. Oh, si on veut. Très intéressant. Quelle âme est Terry? Voilà deux noms que je ne suis pas prêt d'oublier. Bien, maintenant que nous sommes sûrs qu'il s'agit de nos mystiques, il ne reste plus qu'à espérer qu'ils seront à la hauteur. Soyez sans crainte, Majesté. Ces mystiques sont à même de combler vos plus grandes ambitions. Que préférez-vous, qu'ils récupèrent la relique ou qu'ils aident votre armée à votre armée? Cruel dilemme. Ces deux objectifs me tiennent à cœur depuis tellement longtemps qu'il m'est difficile de choisir. Récupérer une relique, aider une armée, ils ont l'air de croire qu'on est là pour leur rendre service. S'ils croient ça, ils sont complètement aboutis, pas vrai, Calam? Oui, mais gardons notre calme. Je pense seulement de se laisser porter par les événements, ces gars ont l'air vraiment pas nets. Ils n'ont pas l'air de réaliser l'honneur que nous leur faisons en leur proposant d'aider le grand roi Wu. Ouais. Je crois même qu'ils ne sont pas disposés à coopérer, Sia. Pas disposés, ça m'étonnerait. Une fois qu'ils sauront de quoi ils retournent, ils ne pourront pas résister. Il faudrait songer à vous nettoyer les oreilles, Kia. Ils ont refusé. Cher mystique, avez-vous entendu parler d'une relique se trouvant dans Ouroboros, au-dessous du château? Il s'agit d'un masque pouvoir considérable. Un masque? Aurais-je éveillé votre intérêt? Non. Je n'y crois pas une seconde, il est évident que j'ai piqué votre curiosité, n'est-ce pas? Aurais-je éveillé votre intérêt? Non. Je n'y crois pas une seconde, il est évident que j'ai piqué votre curiosité, n'est-ce pas? Aurais-je éveillé votre intérêt? Non. Je n'y crois pas une seconde, il est évident que j'ai piqué votre curiosité, n'est-ce pas? Aurais-je éveillé votre intérêt? Une oui. J'en doutais, les mystiques avertis sont toujours en quête de ce genre d'objet. Si vous mettez la main dessus, vous devrez me l'apporter, car il m'appartient. Pourquoi est-ce qu'on donnerait tous mal pour ça? N'y pensez pas, j'ai besoin du pouvoir de ce truc pour conquérir Yuta une bonne fois pour toutes. N'essayez pas de vous opposer à ma volonté. Sire, puis-je suggérer que nous commencions par les envoyer à Yuta? La quête du masque risque de reprendre trop de temps et nos généraux ont besoin d'aide de toute urgence. Ces mystiques pourraient bien faire pencher la balance à votre faveur, en effet. Avec leur aide, nul doute qu'Ayuta finira par tomber. Très bien, j'approuve cette idée. Mettez ça par écrit, donnez la lettre au dénommé Calam. La lettre est rapidement rédigée. Sire, dois-je vous lire la lettre afin que vous puissiez vous assurer qu'elle est à la hauteur de votre majesté? Oui, faites donc. Attention de Cao Tsung. Ah, l'aîné des deux généraux, blablabla. Général de l'armée de Cao Chou, soyez assuré de la parfaite loyauté du porteur de la présente. Le dénommé Calam et son groupe sont engagés à utiliser la synergie pour vous aider à écraser Ayutai. Sa Majesté Wu, roi de Cao Chou. Anéantir Ayutai aurait mieux restitué le fond de ma pensée, mais sinon la lettre me convient. La lettre de Wu. De qui? De Wu, hein? Deux secondes, on va quand même pas genre, ça a l'air de l'arbre. Eh! C'est un pass gratuit pour Ayutai, on va pas se plaindre. C'est pas parce qu'on a pris la lettre qu'on va se sentir obligé de faire ce qu'ils disent. Comment osez-vous? Qui êtes-vous pour vous opposer à la volonté de Cao Chou? Je suis le fils d'un seigneur Sith! Donc en gros, nique ta police. Dois-je comprendre que vous refusez d'aller récupérer mon masque et de porter assistance aux généraux d'Ayutai? Finalement, j'avais peut-être tort, si ces mystiques ne semblent pas disposés à vous prêter allégeance. Ne réalise pas l'honneur que représente le fait de servir le grand roi Wu. Oh ta gueule. Sous évidence, ils ne savent pas ce qu'il en coûte de défier la toute puissance de Cao Chou. Si j'ai bien compris, vous deviez vous aventurer dans Ouroboros, vous voleriez. Si vous deviez vous aventurer dans Ouroboros, vous voleriez son trésor, n'est-ce pas? Dans ce cas, rendons-leur ce service, votre majesté. Sire, vous êtes une vraie vipère. Je suis d'accord. Expédions-les, Ouroboros.
Je crois qu'on devrait décamper avant que ça dégénère en fait. Oui, je suis d'accord. On arrivera à se débrouiller. Alors, j'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on va faire avec les gardes? Ouais, ça, il va faire quelque chose. Qu'est-ce que vous comptez faire de nous? Nous débarrasser de vous? On va peut-être s'enfuir, non? Votre Majesté, il y aura peut-être une autre solution. Attendez plus la discussion, vous avez manqué de respect à Sa Majesté le Roi Hou. Mais c'est qui? Faites-en votre signal, sire. Maintenant! Les fripouilles ne vous importuneront plus, sire. Maintenant, il va falloir trouver d'autres mystiques pour vous aider à percer le secret de Ouroboros. Combien de temps vais-je devoir encore attendre? Qu'en pensez-vous, Pierre? Pour vous dire la vérité, c'est-à-dire, il reste encore un espoir. Que voulez-vous dire? Ne sous-estimez pas ces mystiques, Genshoku. Leur potentiel est grand. S'ils survivent à cette chute, ils réaliseront rapidement qu'ils ne peuvent pas encore pénétrer au cœur du Ouroboros. Mais servir votre armée à Yuta leur permettra probablement d'acquérir la force nécessaire. Je pense que nous reverrons ces mystiques tôt ou tard. Ils reviendront en caoutchouc lorsqu'ils seront prêts, maintenant qu'ils savent ce qui se trouve dans Ouroboros. Je suppose qu'il se trouve énormément de PVP de Dark Souls. Et de mèmes. Beaucoup, beaucoup de mèmes. Aïe. Dieu merci, nous étions bien répartis. Où est-ce qu'on est? Au fin fond du YouTube game, au fin fond des mèmes du PvP de Dark Souls. Mon dos! T'es tombé sur le ventre. Pourquoi ils nous ont largués là? On aurait bien fait comprendre qu'on ne ramènerait que dalle. Ils pensaient peut-être qu'on survivrait pas. Mais s'ils ont besoin de nous pour récupérer ce masque, pourquoi prendre un tel risque? Ah, j'imagine qu'il est pas dans cette partie du labyrinthe, sinon ils l'auraient déjà trouvé. Ils sont sûrement intention de nous piéger ici sans aucun moyen de le récupérer ni de nous échapper. Inutile de mourir dans le coin, essayons de nous tirer. Voilà, l'emplacement de la porte est assez évident. Ils auraient pu faire un effort, surtout que c'est carrément affiché sur la minimap. Voilà. On peut se tirer. Alors, on va, juste avant, on va faire un tour, voir s'il n'y a pas un autre passage, parce qu'il y avait une autre porte. Du coup, je préfère m'assurer qu'on n'ait rien loupé. Ouais non c'est bon, on avait rien loupé, l'autre porte elle est en hauteur. Mais qui remet les statues en place putain? Je vous demande d'arrêter. Voilà. C'est là où on était. Et là, normalement, le magasin de pâtisserie est ouvert. Il me semble. Non, toujours fermé. Chier. Ah, le jean de feu, on pourra pas le récupérer tout de suite. Ce sera au retour. Donc maintenant, direction Ayutai. Parce que nous avons toujours la lettre. Et comme nous avons la lettre, nous pouvons béarrainer les gardes. Ah bon, c'est exactement ce qu'ils voulaient qu'on fasse, mais c'est pas grave. On va dire que ça compte quand même comme, ça, comme un truc nous arrangeant.
Il tape dur, Robin, de rien. Ça va augmenter la maîtrise des armes. Il a pris la charge berserk. Là-haut, je crois qu'il n'y a rien. On a l'initiative. On se barre. On va pas s'embêter. Retour à Yutai. Bonjour. Attends, Kaosho. Tiens, cette lettre vient de Kaosho. Ah, mais c'est une lettre du palais, elle doit venir du roi. C'est le roi Roux qui vous envoie. Vous êtes là pour nous aider dans notre assaut? Oui, tout à fait. En tout cas, soyez bienvenus. Les guerriers supplémentaires ne seront pas de trop. Rentrez, je vous prie. Les généraux Cao Tsung et Cao Liu sont de l'autre côté du bassin. En gros. Voilà. Il y en a un qui est calme et mince, et l'autre qui est énervé et gros. J'aimerais tant être à votre place. Dépêchez-vous d'aller rencontrer les généraux. Vous allez traverser le bas. Ça risque d'être difficile vu qu'il n'y a pas de batelier. Marquez, on sait jamais, montez sur l'ardeau, peut-être qu'un coup de vent soudain vous faut pousser. Et si je lui montre la lettre, est-ce qu'il nous fait passer? Excusez-moi, je pensais vous raconter des histoires. En fait, vous avez bel et bien la lettre du roi. Vous essayez de ramener avec vos mains, en tout cas faut vous ayez donné la lettre aux généraux. Putain, mais vous servez à rien. Bon, Kira. Oula. Oula. Fuck. Alors que je fasse tout le tour. Et ça, par contre, c'est une mécanique qui est cool. Alors, c'est pas la première fois que c'est fait. Hein, dans The Golden Sun, c'est la première. Ah non, je suis obligé de passer par là. Et le fait de se déplacer comme ça, c'est sympa. Les généraux après, on va juste aller récupérer les quelques coffres qui traînent pour aller là-bas. Par contre, il faut faire le grand tour. Ouais, c'est ça. Et là, il y a un djinn, et je crois que ce djinn là, on peut l'avoir en faisant le grand tour aussi. C'est ça. Pour l'instant, c'est en ligne droite. Les généraux sont en train de mettre au point leur stratégie. Ils doivent déranger qu'en cas d'urgence. La lettre de vous, mais de qui, putain? Qui c'est qui a écrit cette lettre? Mes généraux, nous sommes occupés. Nous devons nous débarrasser des esprits. S'il vous plaît, mes généraux, des visiteurs viennent d'arriver de Kaosho. Ils sont en possession d'une lettre du roi Hu. Mais de qui? De qui, putain? Ah, ils ont pas l'air d'être de chez nous, enfin. Fais voir. Allez, dépêchez. Oh, ta gueule. Tiens.
Alors, que dit la lettre? Elle indique que ces gens sont... Cam et son groupe sont de puissants... mystiques. Ouais, des mystiques, hein. Je crois que ce que je vois, et pour l'instant, tout ce que j'en vois, c'est une bande de gamins. Tu peux pas avoir la synergie, t'es un humain normal, du con. Je te lance une boule de feu à la gueule, tout ce que tu vas sentir, c'est la chaleur et les brûlures, et tu verras même pas les flammes. Cette lettre provient du roi Wu en personne. De qui? Sa majesté n'a pas pu se tromper. En ce cas, je me demande bien pourquoi les envoyer ici. Elle dit qu'ils sont engagés pour vous porter assistance dans notre assaut. Bon, j'ai ma chaîne quand je suis en train de genre là. Ouais. Je sais pas si ce sont des mystiques, mais ce sont certainement pas des vétérans. Je vois pas en quoi ils pourraient nous être utiles. Excusez mes généraux, puis je retourne à mon poste. Tiens ta langue, soldat. Tu pourras disposer quand nous l'aurons décidé. Quant à toi, mon cher frère, écoute un peu ceci. J'ai en tête une tâche toute trouvée pour ces mystiques. Je ne tolérerai pas la présence de mystiques qui vont contrarier nos plans d'infiltration. Nous ne pourrons jamais progresser tant que les esprits maléfiques rentreront ce lieu. Je suis sûr que ces mystiques pourront nous en débarrasser. Ah oui, en effet, c'est une excellente idée, mon cher frère. Okay. C'est en grouille de toutes sortes de monstres, faites-y un peu le ménage. Vous êtes en droit extérieur, et vous chargez de cette basse besogne. Revenez quand vous aurez fini. La victoire soit nôtre. Ouais. Assez clair que la guerre, c'est plus facile à mener face à des femmes et des enfants. Hein. Vous avez entendu le lent des généraux, quant à moi, je retourne monter à la garde. J'ai entendu des rires comme ils sont arrivés, mais ils se sont arrêtés. De toute façon, on n'est pas là pour aider ces types, ils n'ont qu'à s'occuper de leurs esprits maléfiques tout seuls. Ce que je pense, c'est de trouver l'arbre dont Baggy a parlé. Il est censé être dans la cour intérieure. Une jarre isolée contiendrait-elle un objet? Eh non. Je suis fait baiser. Alors, des sylphes, on se fiche des sylphes. Nous sommes des amis des fées, laissez-nous tranquilles. On dirait une porte en pierre, mais il n'y a aucun moyen de la franchir. Magie. Oh, vous aimez moi. Gigaséisme déjà. Faites juste un truc qu'ils auraient dû faire, c'est faire en sorte que la map ne s'affiche pas intégralement tant que tu n'as pas. Tant que t'es pas allé dans la salle en question, qu'elle s'affiche pas sur ta map. Alors, voilà l'arbre. Est-ce qu'on va retourner dans la salle qui est juste avant? Pour un instant. C'est pas quelque chose en haut. Non, c'est juste joli. Un visage en pierre orne cet arbre ancien. Ses yeux sont fermés, comme s'il attendait d'être réveillé. Ah, c'est toi qui as la flûte? Quelle âme utilise la flûte sylvestre? Oh non! J'ai trop regardé les sopés derrière pour savoir où ça va finir. Je n'aime pas la bœuf.
Vous avez trouvé un moyen d'entrer. C'est pas très surprenant avec vos ricanements incessants. On est repéré maintenant. On a entendu les deux généraux dire que c'était des mystiques. J'ai mal. Ils nous écoutent, ils sont réveillés. Ah! Au secours! Au secours! En effet, n'ayez crainte, vous êtes ici en sécurité. Je suis désolé que votre arrivée ait été si mouvementée. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? On est tombé dans les pommes? Ah, plutôt dans le pommier. Notre avant géant est un vrai mystère. Est-ce que vous avez joué de la flûte? Il vous a atterri ici plus violemment que d'habitude. Et avant toute chose, soyez bienvenus. T'es qui, toi? Voilà, quelle impertinence! Comment vous parlez au prince Saru comme ça? C'est peut-être pas des mystiques, si? Vous vous excusez, vous êtes Haru? C'est Baggy qui nous envoie. Baggy, ah, je vois, c'est donc lui qui vous a donné la flûte. Nous ne pouvons pas en être totalement sûrs, Altesse. Ils lui ont peut-être volé. Les enfants disent qu'ils les ont vus remettre une lettre du roi Hu. Mais c'est qui? Au général Kaotsung. Promis, c'est la dernière fois que je l'ai fait. Oui, ils étaient en mission auprès des généraux. Ils devaient aider Kaosho à attaquer Ayutai. Et les généraux n'ont pas voulu d'eux dans leur armée. Comment, ils ont refusé leur aide? Pourquoi les généraux voudraient pas de mystiques dans leur armée? Ils sont cons. En fait, ils en voulaient pas comme soldats, ils ont confié une autre tâche, les débarrasser des esprits maléfiques. C'est juste ce qui est ridicule, vu qu'en fait, c'est juste ces deux-là qui arrêtent pas de ricaner. Allez, désolé, on essaie juste de s'occuper comme on pouvait, on s'ennuie là. Bientôt, ce sera de notre faute si les généraux cassent une statue. Attends, ils ont cassé les statues? Non. Tu comprends quoi? Toutes ces inepties à propos de mystiques rejoignant l'armée de Kaocho. Mes amis sont venus me prévenir en catastrophe, hein, quelle idée que nos amis aient fini par nous trouver. Alors c'est pour ça que les rires se sont arrêtés quand on a donné notre lettre. Bah oui, quand on a entendu que vous étiez mystique, des super mystiques. On s'est dépêché d'aller venir le prince. Et juste au moment où ils ont annoncé la nouvelle, vous avez joué de la flûte sylvestre. J'ai cru qu'il s'agissait de Baggy. Nous sommes désolés de ce malentendu, Altesse. Je vous jure que nous ne sommes pas venus ici pour le compte de Kaosho. Nous sommes là pour aider passage. On fait quoi à deux maintenant, Altesse? La suite logique serait de les conduire devant Pal. Vous en êtes certain, Altesse? C'est étranger, vous êtes sûr? Tu leur fais vachement confiance, non? C'est pas parce que c'est mystique qu'il faut, hein. C'est qui, Pal? Qu'est-ce qu'il y a de spécial? Hein? Il sait pas qui c'est Pal? Pal, il est trop génial. Comment un mystique, il peut pas savoir ça? Les enfants, faites preuve d'un peu de patience pour nous autres. Pal est notre roi. Les étrangers le connaissent sous le nom de Paltos. Jusqu'à présent, nous n'avons aucune preuve que ce sont bien des mystiques. Est-ce raisonnable de les amener devant Sa Majesté? Les mystiques sont les descendants des Genets. Les liens qui initient nos ancêtres respectifs exigent que nous leur accordions assistance et hospitalité. En outre, Pal est déjà au courant. Il m'a dit qu'il attendait un groupe de mystiques depuis longtemps. Il sera ravi de vous voir. Je vais vous montrer le chemin. Par ici, s'il vous plaît. Je prends un raccourci, alors ne me perdez pas de vue. Bon, on va y aller direct. Oh. Aussi le passage secret qui mène à la salle du trône. Ça a l'air infranchissable, n'est-ce pas? Regardez un peu, je vais jouer de l'une de nos flûtes antiques. Les secrets antiques tels que celui-ci me surprendront toujours. Cette porte est massive et pourtant, elle se déplace au son d'une flûte. Les villes et les châteaux construits par les exotiques regorgent de dispositifs spéciaux comme celui-ci. Notre amoureux géant en est un autre exemple. Bien, continuons. Si vous voulez bien, la salle du trône n'est plus très loin. La salle du trône est là-haut. Apparemment, les généraux se sont aperçus qu'on n'est plus dans le temple. J'ai disparu, je suis devenu fantôme. Et là, le pimp. Le mec, il est posé au calme. Dans les nuages, l'orage.
suis de retour, mon oncle. J'ai amené 4 invités. Entrez, entrez. Tu as fait du bon travail, Haru. Je dois converser de sujet pressant avec nos invités et toi. Que la cour se retire. Alors voici les mystiques qui se sont entretenus avec le général Cao Tsung. En effet, mon oncle. Je vais leur laisser le soin de se présenter. Yo, moi c'est Thierry. Et lui c'est notre chef, Calab. C'est un honneur de vous rencontrer, Majesté. Je m'appelle Kara. Quant à moi, je me nomme Robin, Majesté. Soyez bienvenue, Mystique. C'est dû faire un long et bien pénible voyage pour venir jusqu'ici. En effet, mon oncle. Ils sont tout d'abord allés à passage où ils ont obtenu la flûte. Et grâce à celle-ci, ils ont pu ouvrir le passage secret. Ils ont ouvert le passage secret, dis-tu? Oui, Baki leur avait confié sa flûte sylvestre. Nous lui devons des remerciements. Encore un qui va nous demander un service, je sens. Enfin, Terry, ça va pas te parler au roi Paltos comme ça. T'as perdu la tête ou quoi? Et quoi? Oh, ça va, vous connaissez, vous savez bien que je suis pas doué pour blabla. Oh, quelle franchise! Une véritable bouffée d'air frais. Nous allons vous entendre à merveille, j'en suis sûr. L'honnêteté est une vertu très appréciée à la cour d'Ayutai. Bien, venons-en au fait. Comme vous l'avez deviné, j'attendais votre arrivée avec une certaine impatience. Vous nous attendiez? Pas vous en particulier, mon oncle attendait un groupe de mystiques. Jadis, les Genet dotèrent Ayutai d'une machine miraculeuse, appelée le puits alchimique. Mais lorsque l'alchimie fut emprisonnée, notre puits cessa aussitôt de fonctionner. Toutefois, il y a quelques années, l'une des nôtres parvint à le redémarrer. Il s'agit de ma défunte mère. Elle découvrit qu'elle avait des pouvoirs synergiques. Elle s'en servit pour remettre en marche le puits, irriguant ainsi tout Ayutai. Tout le monde porte ici Verity au nu pour ce prodige. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Elle implique l'identité du père de Haru. Votre Altesse, si le sujet est trop personnel, peut-être pour nous... Pouvez-vous dire, ma mère m'a conçu grâce à ses pouvoirs, mais je n'ai pas de père, si. Désolé, tu n'es ni Anakin Skywalker, ça c'est plutôt de mon côté, hein, la lignée des Sith, tout ça, et tu n'es pas non plus Jésus. Pas la bonne région du monde, ni la bonne époque. Mon oncle, c'est vous-même qui m'avez conté le miracle de ma naissance. Je me la jouais. Il est temps que tu apprennes la vérité. Je ne crois pas que nous devrions entendre des histoires aussi privées, si vous voulez bien nous excuser. Non, attendez. Restez, je vous prie. La vérité vous concerne tous. Écoutez-moi attentivement. Celui qui a conçu Haru avec vérité était un mystique. Hein. Pas douter, il était extrêmement puissant. J'ai dit au peuple de Utah que Verity avait remis en marche le puits, mais... Dois-je comprendre que ce n'est pas le cas? Alors qui a sauvé Utah? Ta mère n'avait pas de pouvoir. Non, mon oncle, vous vous trompez. Mais vous maîtrisez la synergie. Il en était de même pour elle. Moi, je peux à peine faire bouger une pierre. Je ne peux en aucun cas être assimilé à un véritable mystique. Quant à ma sœur, elle avait encore moins de pouvoir que moi. Le mystique derrière tout cela, c'est ton père. Hein. Mystique ceci, mystique cela, j'en ai marre, moi. Pourquoi on a quitté le poste d'observation, les gens ont que ce mot à la bouche. C'est comme ça que le monde nous voit, comme ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. Pas du tout, mes amis. Mais ce mystique était particulièrement... secret, énigmatique. Il est venu de nulle part à sauver Ayutai et a disparu avant qu'on ait pu savoir son nom. Seule ma sœur le connaissait vraiment. En ce qui me concerne, je n'ai jamais vu son visage. Et comment ça? Vous savez pas qui est le père d'Aou? Un amour secret? On dirait un conte de fées. N'était-il donc rien que vous puissiez me dire à ce sujet, mon oncle? Ma sœur a eu le coup de foudre pour ce mystique alors qu'il venait à peine d'arriver. Apparemment, il avait ressenti la même chose pour elle, ce qui explique pourquoi Verity vécut aussi mal son départ. Il lui a fallu peu de temps pour se rendre compte qu'elle attendait un enfant. Toi, bien sûr. Comment savez-vous qu'il s'agissait bien d'un mystique? Il a réalisé tant de miracles qu'il ne peut en être autrement. Hey Caramel, tu viens dire bonjour au stream? Pose tes fesses.
poste face au chat. Oui, c'est certain. Si ma mère n'a rien fait de tout cela, alors c'est forcément l'œuvre de ce mystique. C'est donc lui qui a redémarré le puits alchimique et qui a récupéré le masque de Luna nécessaire à son fonctionnement. Ouais, donc c'est comme le masque de sol, sauf que c'est pour le puits, plutôt que la forge. Il existe une prophétie annonçant l'arrivée de mystiques venus restaurer l'âge d'or de notre ancienne civilisation. Alors non, c'est pas une prophétie, c'est juste un espoir mince à... que se sont passés vos ancêtres d'un retour à l'âge glorieux. C'est juste qu'il s'avère que là, pour une fois, c'est un espoir qui va être fondé. On a entendu quelque chose de semblable quand on était à passage. Peut-être que ce mystique a joué un rôle dans l'accomplissement de cette prophétie. Après tout, il a redémarré le puits. Non, il l'a dit qu'Ayutai devrait attendre quelques années avant l'arrivée du mystique de la prophétie. Alors pourquoi est-ce qu'il est venu à Ayutai? Quel sens ma vie a-t-elle donc? Calme-toi, mon neveu, je n'ai pas la réponse à cette question. Ta mère le savait probablement, mais elle a emporté ses secrets avec elle. Mais si votre puits alchimique a déjà été réactivé, pourquoi avez-vous besoin de nous? C'est vrai ça. Je vois que tu attends patiemment d'entendre la suite afin de comprendre le rôle qui vous a dévolu. Le mystique est parti sans avoir terminé son travail. Il a remis en marche notre puits, mais si les gens disent vrai, nous sommes loin d'exploiter tout son potentiel. Il y a 20 ans, face à la progression du désert, Ayuta était sur le point de disparaître. Heureusement, notre puits a pu leur donner toute sa verdeur. Toutefois, dès qu'on s'éloigne un peu d'ici, on constate les terres avoisinantes qui continuent de dépérir. On raconte que jadis, le puits alchimique venait d'irriguer tout le sud de Heiji, y compris Arpa. La forge alchimique de passage pompait l'eau, mais depuis qu'elle ne fonctionne plus, Heiji est en proie à la sécheresse. La forge et le puits sont conçus pour fonctionner de pair. Lorsque c'est le cas, toute cette partie du monde profite de leurs bienfaits. J'avais placé tous mes espoirs en ce puissant mystique, mais il est parti depuis bien longtemps. J'avais pour ainsi abandonné tout espoir de voir la prophétie s'accomplir. Jusqu'à ce que j'apprenne qu'un groupe de mystiques était à nos portes. Ne fais aucun doute que vous êtes ceux capables de redonner vie à notre glorieuse civilisation. Tu crois vraiment qu'on est mystique de prophétie, Calab? Je vais répondre dans une minute parce que là, il y a le chien qui s'excite. Je vais juste aller les sortir, je reviens dans quelques minutes. Alors, je vous mets juste un texte. J'ai plus de fond de texte, alors. Voilà, je reviens.
Et me revoilà. Coucou. Oula, j'ai loupé des gens. Alors, salut Imco. Imco électrique. Et coucou Dislad. Désolé, j'avais loupé du monde. Message, ça. Voilà. Tu vois vraiment qu'on a l'air des mystiques de prophétie? Ouais, ouais, carrément. Si tu le dis. En tout cas, le roi Palto, ça a l'air d'y croire dur comme fer. Donc si on arrive à faire fonctionner la forge alchimique, la région retrouvera sa gloire passée, c'est bien ça. C'est le cas, alors nous avons déjà accompli à moitié la prophétie. Comment ça? Avez-vous déjà réparé la forge lorsque vous étiez à passage? C'est fantastique. Et on l'a remise en marche, mais on ne peut pas l'utiliser. Quand elle a démarré, une espèce de masque est apparue. Il s'est passé la même chose avec notre puits. Mon oncle, je crois savoir de quel masque nous avons besoin. Un masque de sol, n'est-ce pas? Oui, le puits et la forge ont tant de similitudes. Bon, bah, à vous de nous aider, dites-nous ce que vous savez sur le masque. Après avoir mis en marche le puits alchimique, nous avons eu besoin d'un objet appelé le masque de Luna. Les deux machines étant intimement liées, je ne serais pas sûr. Étonné qu'il vous faille un objet appelé masque de sol. Selon diverses légendes, cet objet se trouve dans Ouroboros, un labyrinthe que nos ancêtres ont aidé à construire. Et t'arrêtes de taper la cruche, le chien. Et là, mais tu te poses, là, genre tu poses ton derche, et coucher, coucher, voilà, coucher. Voilà. Et tu bouges plus, voilà. Et là, t'es content, t'as tes papouilles, t'arrêtes de faire chier et de gratter tes griffes par terre. Il est situé sous Kaocho, mais son entrée est parfaitement invisible à l'œil nu. Si vous souhaitez vraiment vous y rendre, je vais devoir vous révéler un trésor gardé par Ayutai depuis des siècles. De quoi s'agit-il, Majesté? De grâce, dites-le nous. Il s'agit d'un objet permettant de résoudre le mystère d'Ouroboros. On l'appelle le miroir clairvoyant. Artefact Genet, c'est le trésor national d'Ayutai. Le miroir clairvoyant. Cet objet légendaire est censé dissiper la brume qui obscurcit l'horizon de l'existence. Et ça veut dire quoi, ça? Il peut lire l'avenir? Nous ne savons pas exactement, cet objet appartenait au Genet. Nous n'en sommes que les gardiens. Donc, puis-je me joindre aux mystiques pour les aider à chercher le miroir? Attendez un peu, on va où là? Le miroir clairvoyant se trouvait dans le temple de Barai, qui est actuellement sous l'eau. Un temple sous l'eau? Alors, pour certaines personnes, c'est un très mauvais présage. Le temple repose au fond du bassin de Barai, à l'extérieur de la ville. J'ose espérer que ce n'est pas un peu d'eau qui va décourager de puissants mystiques comme vous, n'est-ce pas? Mais je ne peux pas être mouillé. En plus, je suis pas trop de devoir mouiller, mais j'ai cru comprendre. Mais j'aurais cru que tu serais un peu plus curieux. Le temple de Barai est supposé être magnifique, vous savez. Supposé? Vous n'y êtes jamais allé? Lorsque le puits alchimique a été mis en marche, le bassin s'est rempli d'eau, ainsi qu'une bonne partie du temple. Le temple a donc toujours été immergé à cause de l'eau du puits. De toute ma vie, je n'aurais jamais vu l'intérieur. Il vous faudra donc trouver moyen d'évacuer toute cette eau pour pénétrer dans le temple. On pourrait peut-être la pomper. Il paraît qu'il est possible d'inverser le flux du puits alchimique. Lorsque vous le verrez, je suis sûr que vous saurez quoi faire. Vous êtes des mystiques après tout, c'est votre job. Je guiderai tant qu'ils seront à Yutai, mon oncle. Cette partie cachée de la ville devrait... peut-être déconcertante pour de simples visiteurs. Nous devons reprendre le chemin que nous avons suivi pour venir ici. Je suis certain qu'Aou vous sera d'une grande aide. Bonne chance. Fais plus de bruit, tu me gênes plus, ok? Voilà. L'ombre de Barai, nous voilà. Il doit bien y avoir un moyen exister un moyen d'utiliser le puits pour pomper l'eau. Nous devons simplement trouver comment inverser son flux. Sur quoi, avec nos pouvoirs, on va trouver une solution. Oui, ouais. Exact. Si quelqu'un est capable, c'est bien nous. Votre Majesté, vous pouvez compter sur nous pour trouver un moyen d'inverser le flux du puits. Mon roi Forez, vous pouvez donc disposer. Revenez me voir une fois votre mission accomplie. Et la cour qui se ramène tout de suite. Vu la confiance que notre souverain vous témoigne, j'imagine qu'il vous a tout raconté, n'est-ce pas? Oui. C'est bien ce que je pensais. Autrefois, Roux était toujours là, Dieu, mais maintenant, son visage s'assombrit.
Il faut aucun doute qu'il connaît désormais la vérité sur sa naissance. Ce n'était peut-être pas le meilleur moment pour qu'il l'apprenne, mais mieux vaut tard que jamais. Alors, on va se balader un peu en ville, il y a des trucs à récupérer, il y a des magasins, il y a du loot. Du délicieux loot. Voilà, enfin, le mieux je pense c'est qu'on aille d'abord au puits. Alors Ayutai c'est un peu un gros bordel pour se repérer par contre. Fort sévère. Donc la ville souterraine par contre faut avouer c'est super joli. Regardez cette ville, c'est génial comme design, c'est génial. C'est juste joli. Alors, ils lèvent mais ils vendent aussi la rapière. Coup meurtrier, charge berserk, on s'en cogne. Ah j'ai pas assez d'argent. Ah oui c'est vrai qu'elle coûte cher. Qu'est-ce que je peux leur vendre? La rapière elfique, non, va chier. Je peux leur vendre l'eau de jouvence. Tu m'as demandé un truc rare. Bon, on va voir après. Cette pièce abrite notre merveilleux puits alchimique. Il utilise des éléments de terre et d'air pour synthétiser l'eau qui remplit le bassin de baraille. On doit donc inverser le flux de la machine, mais comment faire? Le puits alchimique s'est remis en marche grâce à la synergie. Nous aurons peut-être besoin d'une autre sorte de synergie. Vous disiez avoir redémarré la forge alchimique. Le puits alchimique est aussi une machine genette. Ce que vous avez fait à passage pourrait peut-être servir ici. Ouais, c'était du gâteau, ça devrait pas être beaucoup plus dur. J'espère tout ça, en tout cas que cela ne va pas vous poser trop de soucis. Pour moi, c'était pas un problème, mais qu'en es-tu quand même? Ça devrait bien se passer, une petite boule de feu par-ci. Je suis d'accord, on ne savait pas dans quoi on s'embarquait, mais maintenant qu'on va commencer, autant finir le boulot. Vous allez vraiment nous aider? Je vous suis sincèrement reconnaissant, mes amis. Ah, il est mignon. Ah, par contre, il brille. Que t'arrive-t-il là-haut? J'ai entendu une voix dans ma tête. Les soyez bienvenus, je suis le roi du sable. Ce personnage légendaire fut scellé dans une pierre précieuse par les anciens. Depuis lors, il attend patiemment la venue d'une personne qui sera surmontée digne de la gemme, laquelle détient un pouvoir aride et dévastateur. Je crois que cette voix venait d'un lieu proche. Ah, ça recommence! Libérez-moi, je boirai toute l'eau du bassin. C'est un peu ce qu'on essaye de faire, non? Quelle que soit l'identité de la personne qui te parle à vous, elle doit savoir que nous cherchons à inverser le puits. Elle parle encore. Le roi de sable doit être réveillé, comme c'est étrange. Je suis sûr d'avoir déjà entendu ça avant. Ça doit avoir un rapport avec l'inversion du flux. Qu'en penses-tu que nous devrions nous mettre en quête de ce roi de sable endormi? Très bien, je vais tenter de localiser d'où vient cette voix. On va finir sur ça, on va finir sur le roi de sable. Parce que j'aimerais bien reprendre le donjon. Il y aura juste après quand il y aura déjà une meilleure collection et un peu plus de monde. Ah coucou Alex, coucou Dislad. Lada bordel. Lada, pourquoi Lada? Ici sommeille le roi de sable. Prenez garde car seuls les guerriers les plus talentueux peuvent espérer une issue heureuse. J'aurais des taupes. Ah oui, la direction artistique, oui, elle est géniale, je l'ai. Surtout que, comme la DS permet de plus de trucs que la Game Boy, ils ont pu vraiment pousser un style visuel à eux, qui est très sympa. Si la moitié de dessin. C'est pour ça que je me dis, faire quelque chose dans le genre de Octopath Traveler, et plutôt que de faire du pixel art, juste de faire des estampes, des dessins en 2D, un peu papier. Mais avec les personnages qui se déplaceraient peut-être en 3D dedans, ce serait super classe sur la Switch.
ceux qui voient pas trop de quoi je parle, vous voyez un peu le style de Granison où en fait où tous les décors ont l'air d'être peints. Vous prenez ça, vous regardez Octopath Traveler, qui est un RPG qui va sortir sur Switch un peu plus tard dans l'année, et vous appliquez plutôt que du pixel art, vous appliquez des dessins comme ça. Comme Eodie des arbres se résonnera, le roi féroce s'éveillera. Ah, ça veut dire que si je fais m'amuser avec la flûte, on va avoir des emmerdes. Je suis impressionné de vous voir ici, descendant des Genettes. Je sais que vous êtes à la recherche du pouvoir permettant d'inverser le flux du puits. Pour l'obtenir, vous devez vous montrer à la hauteur et me vaincre. J'attends depuis une éternité l'occasion de transmettre mon pouvoir. Mais celui-ci se mérite. Vous allez devoir me prouver que vous êtes digne d'obtenir en vous mesurant à moi. Maintenant, montrez-moi ce dont vous êtes capable et je vous montrerai la pierre de puissance dont vous avez besoin. Salut l'infusion. Quand on est en France, je vais dire l'infusion. À la musique du boss. C'est marrant, le jean en attente, ils sont à moitié transparents sur l'écran du dessus, normalement ils sont censés être complets. Ça doit être un bug de l'affichage de l'émulateur. Elle est sensible à l'eau. Elle est sensible à l'eau. Écorce. Vas-y Jupiter, et tu tapes, toi tu sais c'était jean. Glace, ça aurait dû à défense. Mais t'as hâte de faire les allers-retours, le chien. Ok. Silex, défense. Calypso. Non, t'arrêtes le chien. Allez, t'en vas. Allez. Oust. Pour l'instant, je le vire. Ah là. Calypso. Toc. Dong. Aïe. Ça a l'air de piquer.
Par contre, là, on va arrêter de déconner. Dégâts quand même. Ah, il est toujours pas mort, hein. Il est quand même costaud, hein. C'est un vrai boss. Voilà, ça, il a vaincu. $1540, c'est bien. On va inverser le puits, puis on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Très impressionnant. Vous êtes montré à hauteur, descendant des Genêtes. Vous avez mérité mon pouvoir, et je peux maintenant reposer en paix. Quoique non, en fait, parce qu'il est toujours dans la gemme. Il est toujours dans le caillou. Vous obtenez l'ambre de sable. Seuls les mystiques du feu peuvent utiliser l'ambre de sable. Équipez-vous-en pour utiliser l'absynergie fluaride. Je suis sûr que cette pierre va nous donner l'absynergie nécessaire à l'inversion du flux du puits alchimique. Alors là, ils ont essayé de faire un truc assez... comment dire... intéressant dans l'idée. Hop, vous allez voir. Je vais vous montrer ça vite fait. Parce que là, il y a toujours des ennemis, voilà. On va vous faire un truc, c'est que les synergies comme ça, on peut les utiliser. Voilà. J'ai accès directement à Geyser, un raid, tout ça. D'ailleurs, attends, j'avais pas déjà ça avec Saisir. Non, avec Saisir, on l'a pas. Mais là, du coup, ça devient des synergies offensives. C'est une idée, c'est intéressant. Hein. Je trouve que c'est assez joli, c'est assez puissant. Mais c'est... comment dire... parfois, pour certaines synergies, c'est un peu... c'est un peu inutile. Quoi. Ouais, une noix. Bon, allez. Inverser le puits. Regardez, le niveau de l'eau diminue. Nous avons réussi. Maintenant que le feu est inversé, les habitants de Wuthan ne vont plus avoir d'eau. Dépêchons-nous d'aller dans le temple et de récupérer le miroir. Et voilà, donc là, on a tout éteint. Voilà, à tout, c'est moins joli sans l'eau. Hein. On va voir. On a quelques objets à récupérer qui traînent. Typiquement là. Hop, on a un coffre. Contient du pain, ça augmente les PV. On mangera tout ça la prochaine fois. Là, je vais juste me mettre devant la fontaine. On finira d'explorer la ville la prochaine fois. Enfin, la fontaine qui est vide, du coup. On finira d'explorer la prochaine fois. Et ensuite, on fera aussi le temple. J'espère que la prochaine fois, la connexion sera meilleure, de façon à ce que vous ayez un stream de meilleure qualité. En tout cas, la rediff ne devrait pas avoir de problème. Voilà, dans tous les cas... je vous dis à la prochaine, c'était Calam, et n'oubliez pas, Praise the Golden Sun. Ciao!